tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fait une vidéo différente de d'habitude parce que si vous n'aviez pas vu sur ma chaîne YouTube, je vais souvent faire des vidéos « Je réagis à vos histoires ». D'habitude, c'est des textes anonymes que vous m'envoyez, mais là, je me suis dit « J'aimerais avoir un contact plus humain, avoir l'intonation des gens, avoir vraiment plus sentir le malaise là, qu'on adore tous, le crunchy, vraiment être dans le feu de l'action. » Donc, j'ai décidé d'appeler mes abonnés pour qu'ils m'expliquent leurs histoires les plus malaisantes qui leur sont arrivées. Donc, je ne connais pas encore l'histoire qu'ils vont me raconter, donc c'est une surprise autant pour vous que pour moi. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les gens qui m'ont écrit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez le faire tout de suite parce que c'est vraiment là que je vous demande de participer à mes vidéos YouTube. Donc, si vous aimez ce genre de concept-là, c'est vraiment là qu'il va avoir l'information quand vous avez la chance de participer. Donc là, on y va pour de vrai. On passe au premier appel. Ok, donc on a ici Laura qui me dit « Mon histoire est insane. Tu l'écoutes et tu penses que ça arrive juste dans un film. » Donc, j'espère vraiment qu'elle va répondre à l'appel. Donc là, je suis en train d'appeler, ça sonne. Je suis un peu stressée, j'ai jamais appelé mes abonnés. Allô? Allô? C'est mon premier appel, je pensais pas que t'allais répondre. Là, ça sonnait une couple de fois, là. Ok, là vous êtes trois, là, j'espère que vous avez vraiment des bonnes histoires, là. Ben, non, j'en ai une, là, mais c'est vraiment malaisant, mais... C'est ça qu'on veut. Dans le fond, cet été, tu sais, j'ai quand même eu une grosse été, ok? Mm-hmm. Dans le fond, il y avait comme deux amis, comme vraiment amis. Dans le fond, j'ai comme frenché les deux, ok? Oh. Puis, genre, au début de l'année, dans le café, mais genre, les deux, ils savaient pas, ok? Puis genre, au début d'année dans la cafette, il y a comme un des amis, genre, on faisait la file pour aller manger dans la cafette. Puis là, il y a un gars, il a dit, « Hey, genre, t'as frenché ce gars-là. » Mais genre, les deux, ils étaient là. Puis là, il a regardé, puis il a dit, « T'as frenché, genre, ce gars-là. » Puis là, c'était tellement malin, genre, fallait que ça attende mon lunch, genre, la cafette. Fait que, hey, c'était tellement... T'étais pas rien que les deux, genre? Ouais, les deux, ils étaient là. Oh, genre, les deux... Ouais, c'est ça. Puis là, les deux, ils se regardaient, ils étaient genre... Pis ça savais pas ce qui se passait, c'était tellement long. Oh non! J'espère que ton lunch est arrivé vite, là. J'étais tellement attendue pour le gars, genre, ok, parce que c'est pas un des deux gars qui a dit « Ah, oh, t'as frenché ce gars-là », c'est genre quelqu'un de l'extérieur qui a dit ça? Non, d'abord, il était trois, pis il y avait moi, pis genre, j'en avais des frenchés deux sur trois, pis l'autre, c'est lui qui a dit ça, genre, oh, qui s'est fait dire « Hey, c'était tellement long. » Sûr que tu m'aides pas de leur affaire, mais surtout à cause d'eux qu'il y a des estis de gros malaise. Hey, mais yo, c'était bon ça. T'es ma première, hein? T'es la première personne que j'appelle, là, fait que... On tu brises la glace. Bye, bonne journée. Donc, c'était quand même bien. Ok, good. Donc, on va appeler une autre personne. Je vais vraiment aléatoire. Ok, donc on a ici Laurence. Je crois que c'est Laurence, en tout cas c'est Lo. Bon, on a ici Lo qui nous dit « J'ai vraiment plein d'histoires full crunchy, je suis la bonne personne à appeler, tu as ta personne. » Donc, j'y vais à l'instant, je vais l'appeler, on va espérer qu'elle réponde. Ça se... Oh my god! Allô? Oh my god! Attends, c'est genre mon HRM en ce moment. Je suis en train de m'encasiner en ce moment. Et là, bad timing! Eh ben ça arrive! Ouais? Ok, vas-y, yes! Ok, merci Stéphane. Écoute, ça rajoute du crunchy à l'histoire. C'est pas grave, je... Oh my god, je suis en train de checker! Je t'aime tellement, oh my god! Eh merci! Je t'aime aussi, Grim! Dans le fond, j'étais... Quand j'étais avec mon ex, j'allais souvent chez eux, genre vraiment souvent, puis je dormais chez eux, pis ça. Pis faut que tu comprennes quelque chose, je parle tout le temps, mais pas. Ok. Elle a des bas préférés? Ouais, c'était ses bas préférés, je sais pas pourquoi, moi. Okay. Elle m'a dit, vraiment, je me suis dit, tiens, Yvette, prends ceux-là. Puis là, je pense chez mon ex, puis là, je reviens. Ben, tu sais, dans mon temps, dans ce temps-là, c'était mon chum. Ouais. C'était mon chum. Fait que là, je pars. Puis là, je reviens à la maison, ma mère, elle est comme, oh, des études, les pas, là, que je t'avais passé. Je suis comme, oh, t'as pas mal, tu sais, j'ai oublié, c'est. Mm-hmm. J'ai probablement oublié chez lui. Fait que là, elle est comme, oh, s'il te plaît, tu peux-tu les retrouver, genre.
genre, c'est mes bottes préférées. Puis là, je suis comme, ok. Fait que là, prochaine fois que je m'en vais chez mon mec, je suis genre, ouais, t'as-tu vu mes bottes? Il est comme, oh non, non, je les ai pas vus, là. Oh, attends, va donc checker dans la poubelle, je pense qu'ils sont là-bas. What? Fait que là, je suis comme, what the fuck, tu sais, pourquoi t'as jeté mes bottes? What the fuck? Fait que je vais dans la poubelle, pis je trouve le bot, qui est juste un bot, ok, juste un bot à ma mère. Pis je le prends, pis il est dur. Non, elle pas qu'est-ce que je pense. Ouais, je l'ai utilisé pour me crosser toute la semaine. Quoi? J'étais comme... Quoi? What the fuck? Quoi? Genre... Comment tu dis ça à ta mère? Ouais, excuse-moi, Steven s'est battu le bat avec ça, genre? C'est ça. Puis là, ma mère est comme... Elle arrête pas de me dire, tu sais, oh, tu sais, je te passerai plus mes bottes, tu sais, t'as perdu. Mais voir en plus qu'il a utilisé des bas sages. C'est ça, je pense que j'ai perdu quelque part dehors, là. Tu voulais pas le dire. Oh non. Oh non. C'était vraiment malaisant. Oh my god. Comme... Mais en plus, genre, voir qu'il a fait ça comme. Il sait, là, que c'était bas, genre, voir qu'il était comme. Pff, genre, on va les utiliser. Genre, tu sais, il y avait des petits vélos dessus, là. Ça paraît que c'était pas les bas. Ah, oh non. C'est gênant. En plus, de dire ça à ta mère après, ouais, Véro, dans le fond. C'est mieux de te dire qu'ils sont perdus. Je vais lui dire, elle veut, elle aime pas beaucoup mon ex-facteur. Ben, ouais. C'est comprenant. Mais si, j'espère qu'elle va pas voir la vidéo. Si elle la voit, allô Véro, tes bas de vélo sont dans la poubelle. Oh my god. Eh hey, ben, moi aussi, merci. Ton histoire, elle était délectable, là. Vraiment, là, 10 sur 10. On le remercie, puis bon magasinage. Écoute, amuse-toi bien. Merci, oh my god, j'étais full. Mais merci, moi aussi, bisous. Bye. Oh là là, ça c'était de la bonne. Mais voir que son ex s'est dit, genre, ouais, les bas sales que ma blonde a oublié chez nous, genre, ça va être ça, comme ça. Coucou, j'ai une histoire malaisante et je trouve que c'est une pépite. Donc, appelons-la. Nous allons appeler Sarah Juliette. Ah, oh, c'est tellement beau comme nom, j'adore. Ok. Ah, oh, j'aurais dû faire ça avant, ça me divertit. Allô? 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 Oh my god, j'aime fou tes cheveux. Ok. Ok. Par exemple, puis on s'est laissé. Ok. Le soir, on s'est laissé le soir. Il m'a laissé inviter les filles à aller dormir chaque soir. Puis il y a même une fille enceinte qui est venue, genre. Qui m'a dit, t'habites encore là? Ouais, je dormais dans mon chambre. Non. Il y a une fille enceinte qui passe, puis tout, là. Non, quel manque de respect, putain. Mais oui, c'est ça, 2 ans d'immigration, puis. C'est oui. Hey, lui, il voulait faire le show lapin, hein, il était comme. Est venue coucher avec ton ex? Ouais, pis il faisait ben fort après ce que j'entends, genre. Mais quelle merde! Est-ce que c'était une rupture, genre, mutuelle, ou comme c'est lui qui t'a laissé, ou c'est toi qui l'as laissé? Ben, on s'est laissé mutuelle, mais il s'est passé comme un petit accrochage. On était dans un party, je me suis endormie, pis il colle une fille à côté de moi quand je me suis réveillée, genre. Ok, non. Poubelle. À la rue. Ouf! Pis après tout ça, il m'a dit, Sarah Juliette, je pense que je t'aime encore. J'étais genre, non, mais... ben oui, tu m'aimes! Oh non! Non, merci, monsieur! Non, merci! Oust! Au prochain! Mais c'est ça! Oh my god! Mais tu mérites mieux que ça, là, qu'un chaud lapin, là. On lui souhaite la chlamydia, on lui souhaite d'avoir attrapé quelque chose pendant ses congés. Mais voir qu'il fait ça, là, à côté de toi, je trouve ça tellement pas respectueux! J'ai aucune idée pourquoi il faisait ça! Il fait ça! On dirait bien, hein? Ben, j'aime, hein? Si, j'espère que t'as trouvé mieux, là, ou j'espère que tu vas. Ou t'es bien tout seul, ou juste que t'es bien, que... J'espère que dans notre chambre, ça va mieux, puis ouais. Yes! On y va en upgrade, hein, là. Ah, mais c'est ça.
Oh là là! Oh, malaise, j'espère que ça m'arrive. Ça va pas m'arriver, là. Juste penser, mais... j'ai des frissons. T'es là à côté, là, pis t'entends ton chum qui t'a laissé deux jours, hein, baiser à côté. Pis des fois, le matin, j'étais obligée de la faire à déjeuner, tu sais. Mais non! Pas... Madame, t'es bien trop fine! J'ai mon amie Laurence qui m'a dit que j'étais mieux de l'appeler, donc ben je l'appelle à l'instant. Allô? 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 T'as tellement là. Ah oui, je vois ça, t'es dans le noir, je m'en ai dit, ta caméra est fermée, mais non, t'es juste vraiment bien dans le noir. Là. Oh, vas-y. Ok, vas-y. Ok. Pis là, je m'en vais voir mon STO, c'est lui qui me soigne. Là, j'étais genre, je pourrais faire comme une joke pis dire comme, ben, tu sais, à cause du hard sex, je pense j'ai mal. Voir que t'étais comme, c'est une bonne idée. Oh non! Je te jure, le gars, fait que là, tu dis ça. Là, le gars, il était là, genre. Mais voir que de penser à ça, t'étais comme moi, il va rire. C'est un vieux monsieur ou c'est un jeune, genre? Il a genre 30 ans. C'est comme entre les deux, genre entre trouver ça drôle pis être comme la niaise-tu, genre? Oh non! Est-ce que c'est bon, ça? C'est une petite histoire, mais efficace, là. Est-ce que c'est la honte? Y a-tu dit après ça? Non, c'est une blague, c'est à cause de l'école en ligne. Pis là, il arrêtait pas de faire des jokes drôles, genre, il était comme, ah, ça fait mal, comme lui, j'étais comme... Oh! Oups, monsieur, par contre, on... on va arrêter ça maintenant! Fait que, plus de jokes aux assurances! Oh non, malaise! En plus, c'était vraiment mon genre de lancer un call de même, pis après d'être comme, pourquoi j'ai dit ça, est-ce que... Genre, t'es comme, sur le coup, ça va être drôle, mais après ça, t'es comme, Chris, pourquoi j'ai dit ça? Oh, je te file! Oh, je te file! Non, t'as mis ta story, pis là, j'arrivais là, j'étais comme... Ok, c'est arrivé live, là! Donc, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. Mon système a un peu de problème avec le stockage. Donc, je crois plus vraiment que je peux enregistrer de vidéos. Mais si ça vous a plu, j'aimerais en faire un gros ménage de mon ciel. Et il n'y aura pas de trouble à refaire une autre vidéo comme ça. Donc, dites-moi si vous aimeriez que je rappelle mes abonnés pour qu'ils me racontent des histoires. Et quel thème vous aimeriez que j'aborde à la place des histoires les plus malaisantes. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!